Bienvenue à Kuja Delice, heureuse de vous retrouver avec une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose la recette des pâtes de sambousa fait maison. Pour faire les pâtes de sambousa fait maison, c'est tout simple. Il vous faudra de la farine, de l'eau et du sel pour le mélange. Je mets la farine, je mets environ 500 g de farine, mais si vous voulez faire pour plusieurs sambousa, n'hésitez pas à faire 1 kg de farine. J'ai mis la farine, l'eau et le sel. On va pétrir le tout. La pâte est homogène et mou, comme là. Je vais former des petites boules. J'étale un tout petit peu. Regardez la forme. Ensuite, je vais mettre de l'huile dessus. Je vais saupoudrer un tout petit peu de farine. Je pose un dessus, je remets de l'huile. Il faut mettre beaucoup d'huile pour pas que ça colle après. Donc j'en ai mis 3, c'est ma quatrième. Je rajoute ma cinquième pâte. Dans la dernière pâte, il ne faut rien mettre dessus. Il faut laisser sec comme ça. Donc on va étaler, plutôt toute cette pâte. J'ai étalé la pâte. Je découpe les bords. Le but c'est d'essayer de former un carré ou un rectangle, je ne sais pas comment on appelle. Et là, je vais découper des bandes. On fait chauffer une poêle. Je mets un tout petit peu d'huile, pas beaucoup, juste un tout petit peu. Je mets les pâtes. Faudra les retourner vite fait. Faut surtout pas qu'il y ait des croûtes dessus. Je les enlève vite fait. Donc là, on va essayer de les décoller. Un tout petit peu chaud, mais bon, c'est pas grave. On essaie d'enlever délicatement. On les pose.
Donc là, c'est bon. J'ai mes papiers. Il suffit juste de mettre votre farce. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à partager mes vidéos, à me suivre partout sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Comme je vous ai dit, je suis partout comme le ciel. Ciao, ciao, à la prochaine pour une nouvelle recette. Il faut les garder sur un torchon bien humide.